Bienvenue dans le cinquième épisode de Paillettes et Grelinettes. Nous sommes en Ardèche, à Chirol, où un collectif d'une vingtaine de personnes a décidé de racheter une ancienne usine de fil de soie pour lui redonner vie. À l'origine de ce projet monstre, des architectes et des artistes qui depuis ont été rejoints par une ribambelle de personnes issues d'horizons très différents. Le rêve qu'ils ont établi en commun est de mettre en place non seulement des habitats avec colocation et appartements pour famille, mais en plus tout un tas d'activités qui sont liées au territoire et à son histoire. D'un côté, remettre dans l'ancienne usine des artisans, menuisiers, céramistes, fabrication de marionnettes, et puis en parallèle, une grande salle de spectacle pouvant accueillir à peu près 200 personnes pour du théâtre, de la danse, de l'art, des arts de rue. Ce qu'il y a de très impressionnant quand on arrive au moulinage de Chirol, c'est l'ampleur des bâtiments. Donc il y a une ancienne usine de fil de soie qui est le long de la rivière, qui est déjà monumentale. Et en plus, de l'autre côté de la rue, il y a deux immenses bâtiments, en tout plus de 4000 m2, complètement laissés à l'abandon pendant 10 ans. Et la rénovation écologique des bâtiments passe notamment par la récupération de matériaux usagés venus de tout le territoire local.